quand on marche dans l'herbe. Aujourd'hui, ensemble, nous allons faire le challenge crotte, le double même challenge crotte avec Don't Step In It, ne marche pas dedans. On a la chance d'avoir deux boîtes de jeux. Alors, vous connaissez peut-être déjà ce jeu. Et bien, nous, on va le faire avec deux tapis de sol, double crotte, double équipe. Voilà, on va faire les filles contre les garçons. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, bah, c'est super simple. On a des tapis, comme ça, hein, avec des crottes en pâte à modeler. Voilà, toc toc, avec un petit moule pour faire des crottes en pâte à modeler. Il y a de la pâte à modeler déjà fournie dans la boîte. Et en fait, au départ, donc on commence avec 5 crottes sur le tapis. Et le but du jeu est très simple, on tourne la roue. Ben, un des joueurs tourne la roue. Ça va déterminer le nombre de pas qu'il y a à faire. Voilà, là, il y a marqué par exemple 5 pas. Il y a donc 5 pas à faire en traversant le tapis. Mais c'est 5 pas au minimum. Si on met le pied en dehors du tapis dans ces 5 pas, on recommence et on repart de là et on recommence pour faire les 5 pas dans le tapis. Alors les 5 premières crottes sont disposées sur le tapis et ensuite selon, on peut avoir un plus crotte, donc ça veut dire qu'il y aura les 5 crottes plus une crotte que l'on rajoute sur le tapis ou une moins crotte, on va retirer une crotte. Alors une fois que les crottes sont disposées sur le tapis... Il y a aussi un truc, c'est que... Ah regarde, oui, ça c'est on peut redisposer les crottes sur le tapis. Voilà, c'est ça. Voilà, ça a 3 pas, on redispose les crottes sur le tapis. Moi j'ai envie de jouer là. Donc alors, premier round, donc en fait on fait quoi Les garçons contre les filles. Ouais, on dispose déjà les deux tapis, ouais. On dispose déjà les deux crottes. En fait, il y en a un qui tourne la roue, simplement on va faire qu'une roue et 7 roues. En fait, ce sera la même chose pour les deux équipes. Exactement. Hein? Allez, on y va. Ok, on y va. On va disposer les deux tapis et on va mettre les deux. Alors, notre fine équipe est en position. Nous avons à droite de l'écran, nous avons l'équipe des filles. Donc, ouais, mon team équipe des filles. C'est Mélanie qui est là. L'équipe des filles, the girls power. Amantine, on applaudit, on s'applaudit. Et à gauche, donc l'équipe des garçons avec Fantin pour cette première manche. Alors donc, voilà, vous êtes en position. Attends, on marche, oui, on ne marche pas sur les crottes avec les chaussures. J'enlève mes chaussures de princesse. Bon, là, je vais tourner la roue qui est ici. Ouais. Et cette roue va déterminer le nombre de pas que vous allez faire. Je lance la roue. Toc, c'est parti. Combien de pas devez-vous faire? En moins de temps possible. Alors, ouais, bon, bah c'est 6 pas plus une crotte. Hein. Alors, je rajoute sur le tapis, puisqu'il n'y a que 5 crottes, je rajoute une crotte sur chaque tapis au même endroit pour pas qu'il y ait de jaloux. Si je peux lire. Et ensuite, voilà, je vais mettre là. Je vais le mettre ici. Donc, je dis, la chose, c'est que vous avez le même nombre de crottes. Vous avez 6 pas à faire au minimum pendant cette course. Et ce sera le premier qui aura traversé le tapis de bout en bout en ayant fait ses 6 pas et qui aura écrasé le moins de crottes qui remportera cette manche. D'accord ? Allez, c'est parti, top départ. Voilà, ouais. Alors ça, Mélanie, tu recommences, ton pied est sorti du cadre. Ouais, non, t'as pas gagné, Fantin, t'étais pas sorti du tapis, t'es obligé de recommencer. Tu te remets de l'autre côté et tu remets le bandeau. Hop, Mélanie repart. Hop, une crotte pour Mélanie. C'est pas grave. Regardez. Ah ouais. Et une crotte, deux crottes pour Mélanie. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est n'importe quoi. Trois crottes. Oh là là, j'ai perdu lamentablement. Et Fantin, Ina, écrasé aucune crotte. Moi, j'ai on peut dire donc que l'équipe des garçons. Ah, ça sent bon, et ça sent le caca. Ouais, donc on peut dire que l'équipe des garçons a déjà remporté cette manche. Attends, il reste Amantine hein, quand même. Ah bah il reste Amantine et moi. Ça veut dire qu'il y a une crotte qui a été écrasée. Combien? Deux crottes qui ont été bah écrasées. Oui, deux. Et donc il faut les remplacer. Ouais. Parce que maintenant, il faut reformer les crottes. Ouais, allez, voilà. On fait. Ouais, Amantine, c'est à toi maintenant. Allez, papa. Oh là, voilà. Alors, Amantine, alors. Tu vois rien? Non, Amantine voit rien. Elle a son bandeau sur les yeux. Papa va mettre son bandeau aussi. Mon bandeau.
sur les yeux. Alors, Fantin va tourner la roue, vas-y. Voilà. Alors. Alors, faut bien vérifier qu'il n'y a pas de... Trois pas. Et il faut changer les crottes. Faut les réorganiser, c'est ça ? Trois pas et il faut changer les crottes. Alors tu changes les crottes de place, Fantin. Vous les faites du même, pareil des deux côtés. Ah bon ? Bah oui. C'est bon, c'est prêt. C'est bon. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Allez ! Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts, oui ! C'est parti ! Combien de pas ? Trois ? Ouais. Oui. Yes! J'ai pas marché sur une crotte. Ah ouais, Amantine non plus, hein. Amantine non plus. Non, mais c'est papa qui est arrivé en premier. Ah oui, je suis arrivé en premier. Donc en fait, On peut dire que l'équipe des garçons a gagné. Oh! Défendez-nous avec l'équipe des filles. On fait une deuxième. D'accord, une deuxième. Allez, tiens, on refait une deuxième manche. Attends, il faut qu'il tourne la roue, Fantin. Donc là, on refait une deuxième manche quand même, parce que ça a été super rapide. Hein? Attention, alors, toujours les garçons contre les filles, ouais. 4 4 et on change les crottes. 4 ah, pas et on change les crottes, ouais. Ouais, ouais, c'est comme ça. Ah là là, Amantine, on change les crottes. T'es où, Amantine? Allez. Top départ. T'as pas fait 4 pas, Amantine, faut que tu reviennes au départ. Amantine, papa, vite, il a marché dans une crotte, fais 4 pas. 1, mais vas-y. 2, 3, 4, Amantine a gagné, vite, sors du tapis. Bravo. Désolée, mais papa, je t'ai pas trop suivi, mais j'ai vu que t'as marché dans une crotte. J'ai marché dans deux crottes. Et Amantine, toi, tu n'as marché dans aucune crotte, t'as fait 4 pas, t'as dû revenir parce que t'avais pas fait tes 4 pas. Non, elle a pas fait 4 pas, elle a fait 1. Bravo, ma chérie. Mais si, je te jure. Va-t-on avoir un ex-aequo? C'est pas tous les coups, on gagne. Alors, ça y est, nos candidats sont en position. Nous avons donc à gauche Fantin, à droite Mélanie. Ouais, pour les filles, surtout vous votez en commentaire pour les filles. Et vous votez pour les garçons, ouais. Allez. Alors. Allez, allez, maman. Ah oui, c'est ça, j'ai eu peur. Allez, Fantin, alors que t'es dans l'équipe des filles, ça va pas du tout. Donc là, maintenant, on va lancer la roue. Trois pas. Donc vous avez trois pas à faire. C'est parti. 1, 2. Voilà. Fantin avait fini avant maman. Non, on regarde le ralenti. J'ai fait à la marelle. Est-ce que ce sont des pas vraiment? Non, il n'y avait pas le droit de sauter. Ah non. Non. Dans la règle du jeu, il n'y a pas le droit de sauter. Il n'y a pas le droit de sauter. Si. Je l'ai dit, il fallait tendre l'oreille. Voilà donc conclusion de ces deux manches. Les garçons et les filles sont arrivés à égalité. Tadam! Et comment on va donc les départager? Eh bien simplement, ce qu'on va faire, on va faire une seule manche. Ouais. Avec par exemple les parents vont porter les enfants sur le dos sur un tapis. Ça va être un coup toi, un coup moi. C'est au plus rapide ou quoi? Et ben c'est celui qui va traverser le tapis en faisant minimum 10 pas le plus rapidement, en écrasant le moins de crottes possible. D'accord, génial. Alors, attention, je peux donner une indication. Ouais. Le cavalier peut aider le cheval et dire non, voilà. Mais il faut le faire le plus rapidement possible. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ah non. Allez, ça allait super vite. 4, 5 crottes. 1, 2, 3, 4, 5 crottes. 5 crottes. Alors, ça y est, le cavalier est en place. Tout va bien. 10 pas donc, plus rapide. Attention. Je peux être guidé par le cavalier. Attention. Pareil. Ouais, tu me dis. Hein. Top. Vas-y. 2. 3, 4, oh là, c'est pas ça. Non, c'est sorti. Ah, je suis sorti, je dois recommencer, ouais. Ah, mince alors. Mais là, j'ai perdu déjà un temps. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai écrasé 2, 6, 7, j'en ai partout sur les pieds. C'est une catastrophe. Alors, attends, on va vérifier. Regarde, j'en ai encore une qui a accroché. Ah non. Je crois qu'il n'y a pas besoin de vérifier.
C'est une véritable cata. Alors, combien on en a écrasé? Alors, une. Une, deux, trois. Trois. Quatre que j'ai embarqué avec moi. Quatre. Et j'en avais touché une autre. Quatre. Ah là, ici. Ah, cinq. Bon, égalité en nombre de crottes, je crois. Ouais, mais comme moi, je suis pas sûre d'avoir fait les 10 pas, C'est vous qui nous dites qui a gagné de la team Mélanie, de la team fille et de la team garçon. Voilà, garçon versus fille. Garçon versus fille, c'était. Pour ce challenge crotte. Step in it. Step in it. Voilà, maintenant ça c'est le moment préféré de Fantin, c'est de marcher. D'écrabouiller, tu es d'accord? Alors surtout une chose, après le jeu, vous remettez la pâte à modeler dans les boîtes et vous refermez bien, comme ça. Bah, sinon ça sèche. Et ben voilà, c'est la fin de ce challenge Step in it, crotte de bouse, qu'on a revisité comme d'habitude à notre... On a fait double challenge, ouais, crotte, ouais. Step in it. Alors c'est un jeu Hasbro, hein, et vachement facile à jouer, super simple et super... Ouais, super sympa, faire en famille. Même Léo, il a essayé, il a marché sur le tapis. Même Léo, il a essayé. Et il a pas marché sur les crottes. Oui, mais Léo, il n'avait pas de yeux bandés. Et regarde, il y a Léa aussi qui est là. Regarde, elle va peut-être essayer, à non? À mon avis, elle va essayer, mais dans le... J'ai essayé de lui mettre le bandeau. Il est bête. Non, non. Elle a peur. Voilà, bien. Bisous. Bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, passez de beaux moments en famille. C'est ce qu'il y a de plus chouette. Ciao. On vous aime.